Hier soir, pour lever matin, bandit attaqué commissariat police Lotin dans Forjac. Pendant déjà la police là, continuer parler de opération tornade côté bandi yo couri bandi yo peur, eh bien gang vite l'homme non, c'est un goudou goudou la passe sous fiel policier ou sous fiel population dans Forjac. Hier soir, c'est pas deux balles qui tirent, explosion faite, population paniquée, mes amis, rete la m'bral boye image, m'bral boye vidéo, bagay la c'est tête chargée lié, moun yo pas capable encore à question insécurité, question gang vite l'homme ça, kap terrorise yo, en lè Forjac, pour arriver à prendre contrôle territoire et mettre chef gang pour contrôler l'activité moun yo a fait chaque jour. Yon lot bogey, secrétaire général Nations Unies, Antonio Guterres, yon annoncé Madame Alim a gagné pour quitter tête minu, 26 mars, kap gagné pour venir là, la ramasse paquet li bak lan plan pour le quitter pays. Eh bien, Stanley Lucas te bon texte te partagé avec moi. Je trouve le texte très intéressant. Il m'a gagné pour me lire pour vous ou même pour aller prendre connaissance de qui quantité de bagailles qui est nomade dans la li m'a cité là-dedans dans le pays. Et question pour aller pour poser, est-ce que madame la li m'a dit le 26 mars, ramasser tout petit paquet, tout bac en clan, prend avion, aller Washington et quitter pays, quitter insécurité en derrière, quitter instabilité politique en derrière, quitter gang, capta et banda derrière. Qui ça nous même comme haïtien, nous pral dit, qui ça nous même comme haïtien, nous parer pour nous faire 26 mars, cap gagner pour venir là. Espace libre opinion, à recevoir Stanley Lucas, nous pral parler avec lui, sous plusieurs dossiers qui extrêmement important. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue, c'est un plaisir comme d'habitude. Pour moi avec nous dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Pour me porter information pour nous traiter avec nous. Dans l'idée pour nous toujours être connectés à tout petit détail pour ne pas rater rien qui a fait actualité et qui est important pour nous parler, pour nous faire débat. Souyo, m'a rappelé ou sous taxe 509 tout haïtien connecté sous pourquoi abonner m'a invité ou abonner activer la cloche notification et qu'on soit pas raté aucun non vidéo n'a gagné pour nous poster yo c'est toujours même Yannick la même voix qui derrière micro sans perdre du temps en nous rentrer dans information yo. Mes amis, gagné plusieurs dossiers qui a pas dominé actualité. Mais bien avant, gon petit dossier qui important qui attire attention et me voulais partager li avec vous. Moun ki a viv États-Unis yo même précisément yo pral konnen a bien plus idée de sa m'bral parler là. Pendant période Covid là, te gen un programme PPP loan que gouvernement américain te décidé mettre sous pied pour aider petites et moyennes entreprises. Moun ki gen ti business et pendant période Covid là à cause moun pas ka frik, moun pas ka sorti te gon paquet restriction pour moun sa yo, pour business sa yo pas fait faillite, pour entrepreneur sa yo pas fait faillite, et bien gouvernement te décidé mettre l'argent disponible pour prêter moun yo pour moun yo ka kembe business yo a fonctionner, continuer activité yo. Et bien mes amis, programme PPP Lonza li commencé si maye problème nan mitan communauté haïtienne nan. Gen des séries de gros superstars là que ce soit dans Etchemay dans l'industrie musique là, gen des séries de gros comment on rele yo et mon Instagram yo influenceur entre guillemets qui qu'on a fait vidéo matin midi soir qu'après les têtes sur petit riche petit millionnaire etc qu'a posté Lamborghini qu'a rabaisser l'autre haïtien compatriote yo toujours montré à bien passé aux États-Unis et pourtant qui ça yo fait. C'est des séries de moun qui te al prêter l'argent dans le gouvernement américain dans le programme PPP Loan. Et puis qui prend l'argent ça, qui a bien passé avec lui, qui prend l'argent, soit yon monte en entreprise fictive, yon pas de business vrai, yon cherche un enquête pareil, yon fait monter un modèle d'entreprise pour yon, et puis yon al soumettre des business, yon al soumettre bagay lan, yon prend l'argent dans le gouvernement. Et bien, kounye a, yon gwo enquête qui a mené, et yon vin découvri, yon paquet moun. C'est corruption yo t'a fait, c'est dans fraude électronique yo t'ayé, on paquet moun c'est blanchiment l'argent yo t'a fait, on paquet moun, on paquet haïtien qui utilise faux identité pour yo t'ai prendre l'argent dans le gouvernement américain. Et bien là, gen Valeski Barozi, on regarde là, il était tout temps à faire gros la poster Lamborghini, matin midi soir la fait live sur Instagram, la lire les petits riches. Pour Jean Néglant t'a montré le gain l'argent la brasser c'est acheter Rolex la montrer l'autre monde façon la vivre aux États-Unis pendant 10 ans rentrée. Et pourtant mois décembre qui se passait là
la justice américaine mette main dans pas de cassave, la justice fédérale, au tribunal fédéral mette main dans pas de cassave, pour qui ça? Parce que yo estime li participe dans la corruption, yo retenu comme chef d'accusation contre lui-même, yo dit le coupable de fraude électronique, blanchiment d'argent et usurpation d'identité. Valès qui baozi ça, li monte en entreprise, li rele société, Vibaozi Solution.inc. Et li même qui était président. Gouvernement américain prête 4 millions de dollars. Depuis là, il prend 4 millions de dollars, là, c'est posté, montre la bien passé sous yacht. Et li tout le temps, il a fait live, il a toujours dit, moi même, je vais faire école secondaire, je rentre aux États-Unis, mais ça me café, mais ça me café. Eh bien, hier mercredi, là, bon tribunal fédéral qui condamne elle pour 6 ans de prison. Il a pris après Lamborghini en bas d'elle. Yo prend Audi en bas d'elle. Ah, yo, dans moment là, bah, Audi a mal passé. Mes amis, et l'op gade un jeune garçon qui a 28 ans, qui la justice américaine condamne elle pour corruption, condamne elle pour blanchiment l'argent. Mais c'est grave, c'est triste. C'est pas question ri normal, c'est pas parce que qu'on a posté sur Instagram. Non, c'est pas pareil ça. C'est parce que qu'on a montré li gen belle machine etc. N'importe moun k'ap travaille honnêtement ou k'achete une belle machine ou k'ap bien vivre. C'est pas question. Qui sort doit connait ou même qui a opportunité, qui a chance rentrer aux États-Unis, saisi opportunité pour faire bagay qui positif. Pas essayer avant une image ou moun ou parier. Vous comprenez? Pas vendre en image ou moun ou paye pour chercher à baisser l'autre monde pendant que vous connaissez ces fraudes ou à faire ces corruptions à faire. Ou non, pays qui offre opportunité, utilisez opportunité à bon escient. Faire bagay qui positif, faire bagay qui concret, bagay ou ka inspire l'autre monde. Parce que non, faire corruption pas ka inspire moun. Qui soit ka inspire moun nan fè corruption. Kou jounen jodi a la pou quantité corrompu nan l'état, qui sa yo ka inspire de bon? Si c'est modèle moun sa yo ap suiv, par exemple qui nan l'état, qui nan gouvernement là, c'est volé ou ap pied devant, c'est gang ou ap pied devant, c'est corrompu ou ap pied devant. Donc le nou ale nan pays avec programme Biden là qui là, c'est pas deux trois haïtiens qui ap rentre aux États-Unis. Ou gon opportunité devant yo bon deux ans utiliser le bien pas rentrer dans toute sauce dans corruption dans fraude dans bay menti etc. Non ça crivé ba ozian gon paquet l'autre haïtien dans Etchemin là des série de monde qui très connu qui gen dossier dans tribunal dans la justice pour qui ça parce que pour un timoné on comprend pour un timoné puis un sénateur a te dit là en 2 millions 3 millions 4 millions de dollars et puis soit attendez à là yo prend un show yo pral faire prison et pour gèt perdu crédibilité non li pas bon et c'est bien malheureux pour Valeski et mais la justice a servi avec lui on va avancer et bien hier soir mes amis gang vite l'homme là décidé attaquer commissariat police Lautère. Pendant la semaine qui se passe, il y a deux fusillades qui fait dans Fort Jacques. Ce n'est pas deux ou trois personnes qui perdent la vie. Non, premier fusillade, il y a quatre personnes. Non, deuxième fusillade, il y a cinq personnes. Donc, non, semaine, deux fusillades fait, on regarde la quantité de personnes qui perdent la vie, la quantité de personnes qui sont blessées. Gang vite l'homme, ça a tellement de problèmes. Vite l'homme, tellement de territoire, il a occupé tellement de zones, il a géré tellement de garçons dans gang vite l'homme. À un certain moment de la durée, faut que Frenzel mette à main des têtes li, faut que CSPN, faut que l'état-major la police ta chute à fond réunion pour yon dit tête yo, est-ce que l'opération tornade yo te fait dans Fier Vite l'homme, est-ce que l'te pote résultat vraiment? Est-ce que l'te pote résultat? Est-ce que chaque action yal fait dans Fier Vite l'homme, est-ce que yon senti un résultat concret qui pote? Parce que m'bak wè, pendant nous descend peigné, c'est vrai faut nous mener opération. Pendant nous descend peigné, nous dit nal traquer vite l'homme, nal poursuivre vite l'homme et puis vite l'homme lui-même, li non l'autre zone, li non l'autre bon, l'a théoriser population, l'a attaquer policier, y a marché sous fiel population, y a fait policier courir dans police, dans courir, policier tombé, pied cassé, policier blessé etc. Quitter commissariat, alors quitter commissariat qui s'acrivé. Zam qui était dans commissariat, le policier a couru, bandit, qui ça l'a fait, c'est prendre la prendre zam, non? Il va augmenter l'arsenal, il va augmenter l'effectif, yo. Non, figure Albé. Non, figure Ariel, non, figure Mli prophète, qui c'est ministre de justice. Qui modèle pays nous voulons faire, qui modèle société nous voulons construire. Parce que je ne dis là, moi-même, pas qu'à chaque jour, je viens de parler d'insécurité, alors que nous gagnons autorité qui n'a place, yo. Nous avons une autorité qui a des postes stratégiques qui sont supposés apporter solution à problème de sécurité. Nous pas dans place, nous.
Nous nous plaçons de manière apparente, oui, c'est vrai, bon, déjà la police qui sort c'est dans place. Si elle pas dans place, ou pas qu'à bailler résultat. Ou pas qu'à bailler résultat. Est-ce qu'on regarde là ou pas ouais? Ou pas ouais, Jean yo nèg yo bouler commissariat mettre du feu dans machine. Nous pas ouais ça nèg yo faire commissariat tourner. Moun fort Jacques. Depuis ça c'est SOS, SOS, alerte, alerte, bala pété, qui ça la police ka fait? Pendant y'a mette SOS pour alerter la police pour yo, policier yo même yo ta couru bien longtemps qui te commissariat, parce que c'est yo même kap subi à soi. C'est yo même bandi vin attaquer pour qui ça? Parce que nèg yo gen intention vin installer gang, vin installer chef gang, vin installer bandi pour terroriser population. Même je ça se fait dans zone toujours. Non toujours. Juste toujours, oui, dans centre-ville, nèg yo décidé, yo pote ti lèt bay moun, la kay moun nan business moun, ou gen 50 000 goud ou 100 000 goud pour payer. Ou payer l'argent pour être la kayou. Ou payer l'argent pour business ou te redi prêter l'argent, te redi travail pour faire, ou payer pour l'ouvrir pour fonctionner. Qui est gang, c'est pas DGI. C'est pas patent tout doué. Gang qui vin mando frais de fonctionnement. Pour fonctionner, faut payer. Pour être la caillou, faut payer. Ou payer des GI pour locatif, mais qu'on y a, faut payer gang pour être la caillou. C'est pays. Moi, je parle, mais qu'on est, est-ce que Ariel pas au courant de tout bagay sa yo? Chaque jour, son seule question, est-ce que Ariel pas au courant? Est-ce que LB pas au courant? Est-ce que Emily Prophète pas au courant? Bon, Ariel à la fois premier ministre et ministre intérieur, il est au courant doublement, triplement même. Dis chercher espère comme si nous n'avons pas aucun intérêt vraiment pour nèg yo mettre sécurité en dedans pays. Peut-être c'est agenda ça nèg yo gagner pour exécuter pour montrer que Haïti c'est Somalie Caraïbes blanc yo remédi là pour montrer que Haïti fini pour montrer pas gain espoir et ou même jodi an là ou même jodi an qui gagne opportunité pour quitter pays c'est quitter aller pas tourner c'est ça nèg yo veut faut comprendre oui nèg yo ouais qui continuer a intensifié gang, a intensifié insécurité. C'est pour aller, pour pas tourner. Aller pas tourner quitter caillou, pour même voler ça qui en dedans pouvoir, pour y voler caillou. Aller pas tourner, t'es ou t'es redi acheter, après d'en faire 5 ans, 10 ans, 15 ans de travail dans Freddy, dans US, dans Canada. Et puis, pour yon voler terre, c'est ça y a fait. Joune jodi an la, yon nan bagay qui mette pays en côté li. C'est vrai, gang. Mais dans la question volette, dans la question conflit, rien, c'est une bagaille qui bail plus gang, plus bandit. Que te policiers dans la gang, que c'est gang dans même. Parce que les gens ont une association, yo ont un réseau, yo a volette moun, yo besoin de examen qui pour venir mettre à pression. Yo besoin de examen qui pour venir de guerre pour venir prendre tout bagaille ou te redi acheter, mettre dans le cas ou te redi construire, mettre au dehors pour prendre kailan. Et première fois, attendez ça. C'est première fois tande nèg nan pouvoir sénateur député a volé ka volé tête diaspora c'est première fois non c'est pas première fois son pratique lié et automatiquement ou se chef ou prend zam nan bay nèg ki a koto lan ki nan do lan parce que non association non groupe gang avèl nèg sa senti gen pouvoir nèg sa senti gen autorité nèg sa senti gen autorité bon faut regarder notre vidéo côté que et PNH yo mené opération yo confirmé pour yo dou yo démanteler un groupe gang yo démanteler un gros réseau nèg k'a braquer moun ki soti la banque yo rivé arrêter plusieurs nèg pour vite l'homme yo rivé arrêter plusieurs moun pour vite l'homme on nous garde vidéo on retourner parce que forme li texte Stanley Lucas te partager avec moi hein, avant nous rentrer dans l'espace libre opinion opératoire réseau ça c'est rentrer dans banque fait comme si y a fait transaction alors que en réalité y a des clients qui viraient tirer gros l'argent dans banque là pour poursuivre yo et puis râler les âmes sous yo braquer yo pendant une journée moun sa yo ka fait plusieurs voyages dans banque là juste pour contrôler clientèle là malgré caméra surveillance yon banque nan capital la tabli évidence moun sa yo impliqué nan activité ça y a plaidé c'est toujours comme ça oui les mari volo ak bandi qui pas suspend terroriser population Christin sans peur en bacon c'est pratiquement cerveau réseau mi s'est fait prison déjà pendant deux fois la machine même pé non cause ça et là bah par rapport au cousin qui te cause am sous lui seulement ça oui ou t'es fait prison déjà non oui il y a qui côté pénitentiaire
Ah bon? Oui. Pour qui ça? Et par rapport à une tête évadée de la machine. Combien de temps? Combien de mois? Combien d'années? Bah longtemps, bah 2013, 2011. Combien de temps fait? Qui qualité ton fait? Ça fait un an, pas deux ans pour comme ça. Pour ça seulement, il faut faire tout ça? Et par de 2010, 2019. Deuxième fois. Après ça, on dit la guerre, on dit la guerre légale, on dit la guerre légale. Encore, on dit la guerre légale. Après ça, on dit la guerre légale, après ça, on dit la guerre légale. Après ça, on finit. Qui est-ce que tu as arrêté là? Pas de bouquet. Oh, quand tu as arrêté là ça? Et ça, on doit aller là. Qui côté au territoire là ça? Ça me dit de ma carte. Deuxième fois, c'est bon. Non, deuxième fois, il n'a pas eu de moi, il n'a pas eu de la guerre légale. Ah, mais ça vous êtes sauvé? Non, par rapport au juge là, c'était le vraiment jugement, et puis il y a des bagages, c'est ça. Peterson Guillaume, alias Toto, monsieur qui a 43 ans, est déclaré lycée mécanicien. Il déclarait tout, il a trouvé la machine dans un moment d'arrestation, mais c'est Damio. C'est à cause de venir chercher la machine pour le ranger, il a chauffé. Richard Mas. Richard Mas. Moi, je suis en bas, je suis devant comme manger petit. Mais les arrêtés, monsieur, qui ça, monsieur, dit le fait qu'il y a un monsieur, pas dit non, on n'a pas la donne. C'est moi qui n'ai pas fait, si nous rentrons déjà. Non, monsieur, pas dit rien. Monsieur, pas dit rien. Bon, c'est là, nous venons au commissariat. Nous connaissons, l'aime poser des questions pour qui s'est arrêté. On a dit que monsieur lui-même dit qu'on s'arme sur lui. Et puis pendant que nous sommes sur lui, l'aime poser un gouvernement commissariat de matin. Et puis, le commandant dit qu'on s'est arrêté. Comme nous qui sommes venus là, le commandant l'a mis sous sa main, mais ça que nous là. Bruno Alexandre, 29 ans. Monsieur Cléoné, lycée un bon monde. Li explique là, c'est à cause de Vin Ran, Guillaume Peterson service pour conduire pour lui. Pas faire partie des monde qui va lever monde pour aller comme sur la botte. Non, ma j'ai des visa. Non, pas comme si ça invitation ça famille ma ça. Et ça qu'a dit nek ça permet tout dans la police ça. Bon ça me garde dit nek ça côté dans même la police ça même pas connu jusqu'au c'est pas Charlie comme si même pour faire libérer parce que ma monde comme si qui connu. Milford Mark Holden, 43 ans, a travaillé lui-même dans la direction ministère justice et sécurité publique depuis 2020 dans le plateau central. Lycée cousin Christin Samper. C'est sous lui la police joint pistolet ça. Il déclarait c'est un cadre dans le ministère qui était autorisé le porter zame. Bon, et le policier vient, on dit nous campons bas pour plan longtemps. C'est le motif là. Comme vous avez dit, que la machine a été chauffée d'ailleurs. Vous avez dit comment dit le sans père Christin. Est-ce que vous avez la première fois que vous avez contrôlé nous dans la caméra? Pas nous. Moi-même, la première fois, je suis venu dans le bas pour bon, normalement, c'est la première fois que je suis venu dans le bas pour plan. La première fois, je suis venu dans le bas pour plan avec vous. Nous avons tout monté ensemble avec les dit mais qui ça va le faire. Après, ça vous le bail boss sur la machine pour arranger. Et si dame ça, t'es venu prendre un problème, comme ménage. Et vous-même, pour qui ça vous reproche? Bon, vous reprochez mes détentions d'amis légales. Et là, vous voyez dans la vidéo, qui ça vous dit? Bon, vous pouvez aller me dire que je suis dans la machine là. C'est vous-même, moi, vous êtes dans que je suis venu mal parler avec elle. Okay. Et après ça, vidéo à montrer que dans la machine là? Oui. Est-ce que. Ou pas mettre les gens qui ont eu l'autorisation pour les amener au courant de sa tribu là. Bon, mais ça, c'est lui-même qui veut être avocat pour moi. Vous dites que ça te permet de faire, il faut joindre. Il a avalisé et acheté les amener et puis vous avez travaillé. Il a eu l'autorisation pour les amener, il a eu le moyen pour acheter les amener. Bon, c'est pas lui qui a eu l'autorisation, c'est le ministère de la Justice. Et les mêmes qui battent nos badges, qui autorisent nous pour nous voter ça. Mais non, qui est-ce que tu dis que tu as un problème? Directeur départemental du centre. Comment monsieur? Ténisé Gérald. Comment? Ténisé Gérald. Monsieur toujours là? Non. Pierre Foufoun, c'est ménage Christin Samper. Il dit, il n'est pas au courant, monsieur, t'es une activité braqué moun. Et c'est l'église, il rencontre avec monsieur. Ça a seulement 3 mois. 3 mois, moi, docteur, je suis avec moi. Pas avec elle.
Mais il va marier, il va marier, il va voler. Ça va me dire un pour que monsieur t'a un volé, je vais reprocher là. Je ne sais pas comment aider. Gardez mon papa. Je ne sais pas comment aider, bébé, si je ne sais pas comment aider. Non, moi, ça va me dire un pour s'il volait. Bon, si je connais, est-ce que je n'ai jamais avec le commande bon patron qui ça? Pas tellement parler parce que je ne connais pas si je vais faire déjà. Je ne connais pas le commande de si bon patron. Je ne connais pas le commande de bon patron. Mais vous allez l'église qui dit que vous avez ramassé. Je ne connais pas le commande de bon patron. Je ne connais pas le Depuis quelques jours, la police nationale, dans le cadre de Tornade 1, a mené une série d'opérations musclées contre gang Vite l'homme innocent dans la zone Peignée, Torcel, Tabac, pour ne citer ça ou seulement. Dans l'objectif pour démanteler gang, craser barrières et puis arriver à mettre en bas code chef gang ça, Vite l'homme à tout acolyte Lio. Plusieurs unités spécialisées dans PNH là mobilisées dans le cadre d'opération ça. Après, on a fini de retirer un pile barricade que bandits ont mettait pour empêcher force l'ordre de progresser sur eux. Les policiers ont continué à chercher bandits dans le fief. Plusieurs individus qui sont membres gang Vite l'homme déjà joué une arrestation dans l'opération Tornade là. Lipson Senel, alias pas ingrat. En bas code. 37 ans qui sorti Jérémy, mais qui a fonctionné zone Torcel. Les jeunes arrestations li lundi 13 février 2023. Piero Mondelus. En bas code. Andy Fenelus. En bas code. James Fortuné. En bas code. Louis Gerson. En bas code. Pamphile Junior. En bas code. Adé Jonelson. En bas code. Félix Olivier. En bas code. Ak David Joseph alias Tiblan. En bas code. Quant à pour David alias Tiblan, monsieur gen 22 l'année. La police mettait lui en bas code, pas trop loin commissariat Tabac, samedi 25 février. Tiblan, c'est bons amis Lipson, alias pas ingrat. David Joseph, alias Tiblan, c'est un bandit nos trois. Lui impliqué dans actes en cours, vol, viol les femmes, braquage. Il était participé dans assassinat bandit Axam t'est fait sous ancien directeur académique police là. Commissaire divisionnaire Arrington Rigaud sur route Fréa, non date vendredi 25 novembre 2022. David Joseph alias Tiblan impliqué tout dans zak assassinat et bandit fait sous commissaire principal Robert Plaisimon dans Tabac, zone Ediwan, mardi 1er mars 2022. Tiblan jouait un rôle important dans gang Vite l'homme. Non seulement ça, c'est lui qui fait sentinelle pour avoir accès à tout le monde qui vient côté chef gang Vite l'homme innocent. David Joseph, alias Tiblan, a vendu sous marché à un pile matériel bandit au volet, tant que batterie, inverteur, panneau solaire, matelas et la trier. David, malgré tout Zaksayo, il a droit de tremper là-dedans, pas de peine ni crainte, il a fait plusieurs voyages à poter manger dans garde à vue pour acolyte li, Lipson, alias pas ingrat. La police nationale l'a dit, li pap campé dans le cadre d'opération Sayo. Tornade là, gè pou rive sous toute qualité bandi. Mes amis, nous tendez, nous gardez, nous wè. Mais kounya ki sa nous même nous vle. Ça c'est ça la police ba nous. Mais kounya ki sa nous vle. Nous même nous vle. Prochaine fois pour yo vini avec information ça, pour yo di nous base ti makak dans la boule 12, li démantelé, nan fè ça démantelé. Gang nan démantelé, gros bandi yo stoppé yo, gros bandi yo blessé mortellement, gros bandi ça pa vle remèt zam yo, et tant pis pour yo ça remèt zam yo. Nou vle tande nou gros système justice qui nettoyer le gang nan rive. Si gang nan li di se gros patron qui nan l'état, c'est gros patron ancien député, ancien sénateur qui bal zam, pour gros justice qui fort qui ka rive sou nèg za yo. Nou vle pou moun kwa des bouquets ka vive la kayo, ka retourner la kayo pour question 400 marozo pour le fini. Pour question l'homme ou sans joie pour le fini. Pour question Vite l'homme qui a terrorisé la population pour le fini. Pour question Iso, Tilapli, Mano, G9, GP pour le fini. Nous pas un pays qui a guerre, moun pa kachita sou chanman soit prend bal maron. Pour qui ça, affrontement qui gagne, Belé, G9, etc. Qui pays lié? Pays en guerre avec qui est-ce? Pour petit pays qui a détruit pays. Pour petit pays qui a détruit petit pays, et puis avant rien, c'est blanc qui a crasé pays, c'est blanc qui a détruit pays, c'est programme blanc, c'est projet blanc. Blanc gen agenda, c'est vrai, oui, pour Haïti. Parce que yo pata, mgen presse, yo pata jamais aimé ou pays en stabilité.
Parce que jouer Haïti gain stabilité, nous pas besoin États-Unis vinn fourer bouchi, nous pas besoin Canada vinn fourer bouchi, mais qu'on y a pour un CARICOM. Yo pour une organisation régionale, yo pas qu'un pays clair, yo pas qu'à fond merde là qu'il pas. Yo qu'on y a c'est yo même qu'à prendre dossier Haïti mettre sous table. Chaque coup de Saline Pétion Christophe Capoala m'entend décoser ça en vérité, moun sa yo tellement viré dans tombe yo, yo viré 7 fois 77 fois 7 fois. Parce que son honte, son insulte. Nous gon paquet nèg dans l'état, nous gon DG la police, c'est pas seulement contenté. Oh, nous démantelons réseau braqué. Des réseaux braqué à qui est? Qui gros chef, qui gros bras? Qui gros bras qui tape téléguidé yo? Des G9 qui est-ce qui là après madame la lime qui t'est fin fédéral? Qui est-ce qui a financé? Qui est-ce qui a financé ISO? Qui est-ce qui a blanchi l'argent pour ISO? Ça est important. Je ne j'en dis, c'est réponse ça, nous besoin de répondre. Nous besoin de CPJ répondre. En dans le ministère de l'Intérieur, il y a un agent pour service de renseignement. Par contre, qui sort, il y a la préglé avec lui. C'est réponse ça, nous besoin, je ne j'en dis là. Nous pas qu'à continuer à compter kidnapping. Yo kidnappé hier, yo kidnappé yon employé, yo kidnappé yon employé à chef national. Tout employé yon décidé yon pas travailler encore, yon ferme bureau à chef national. Bon, yon moun yon koun yon ki besoin. Excellent chivio pour y aller faire passeport dans le programme Biden. Sans vous y aller faire. Sans vous y aller faire. Mais il y a près de 5800 haïtiens là. Yo valide yo gen autorisation de voyage. En pile nan yo dou yo pa ka aller parce que yo poko jam jwenn passeport. Yo gen ki gon mois yo pa jam ka jwenn passeport pour ki ça. Yo te fè raquette avec un moun yo paye 15 000, 12 000, 10 000. Yo paye paquet l'argent. Yo paye 50 000 goud. A fè m'di 10 000. Sou paye 10 000 goud ou paye prix passeport. Yo ou paye 50 000 goud, 60 000 goud, 75 000 goud, 15 000 dollars pour faire un passeport. Et puis, finalement, le reste bon premier page, ou n'y a pas jamais qu'à jouer un document, ou pas jamais qu'à jouer un passeport dans mon, ou gen un mois là, ou alors que, yo pas autorisation de voyage, ou un délai pour l'expirer, ou un délai pour aller sous lui. Mais paye ya, oui. Yo faut perdre l'opportunité, yo faut perdre l'occasion, tout jan, tout jan, tout jan, tout jan. Alors, paye ça, c'est Haïti. Bon. On nous passe dans le texte que Stanley Lucas partage avec moi sous dossier madame la Lime. Bon, je lis pour nous, mes amis. Ouvrez oreilles parce que c'est vraiment intéressant. Assassinat président Jovenel Moïse. Madame la Lime, pas qu'à courir, sauver, quitter Haïti sans la justice et FBI pas questionner lui. Ça, t'as trop facile. Résolution 2476 Nations Unies, t'es là pour aider l'État haïtien, gouvernement constitutionnel, président Jovenel Moïse, renforcer capacité, sécurité et BINU. C'est madame la Lime qui était dans tête BINU. Pourtant, c'est un bagé complice mission ça, que oligarque Pétionville, leader opposition violent André Michel, Nenel Kassi, Ricard Pierre, Sorel Yacinthe, Evalier Boplan, Kato et Latrier, cap travail pour oligarque créer gang pays loc pour faire 7 tentatives coup d'état sous 4 années pour jeter gouvernement jusqu'à ce que yon touye président Jovenel Moïse 7 juillet 2021. C'est madame la Lime qui t'a battu bravo pour regroupement gang G9. C'est sous madame la Lime gang 400 Marozo ak organisation criminelle Fantôme 509 créé. Là on considère capacité intelligence et espionnage Nations Unies, BINU en Haïti, madame la Lime pas capable au courant de complot clandestin assassin yo pour touyer président Jovenel Moïse. Qui donc? Nan kasa, gen deux scénarios. C'est soit madame la Lime participer directement nan crime nan, ou bien li te au courant assassin yo t'a pral touye président et puis tant kou pos Pilate li kite crime nan fait. Nan tout de cas yo, la justice ak FBI doit convoquer madame la Lime. Faut personne pas oublier tout, c'est madame la Lime qui mette Ariel Henry qui impliqué nan touye président. Premier ministre, Natouye, président. Premier ministre, ak yon tweet, sans Ariel, pas de gagnant arrêté nomination, président Jovenel Moïse, Tessien. La justice ak FBI doit garder tout est-ce que yon connexion entre madame la Lime ak oligarque qui touye président Jovenel. Est-ce que tout yon connexion
entre blanc FBI di yak département d'état qui impliqué nan touye président et madame la lim pap kagen kase feuille couvri ça. Bon, ça c'est texte que lui a partagé avec nous sous madame la lim pendant yo annoncé départ madame la lim qui gagnait qui programmé pour 26 mars cap gagnait pour venir là. Rapide vite, on nous font parler avec Stanley Lucas, puisque espace libre opinion, c'est pour ça là, pour nous parler, pour nous faire débat sur la situation paysan. Gardez qui ça qui a fait pour aider Haïtiens, pour motiver Haïtiens, dans l'idée pour nous continuer faire éducation politique, pour continuer aider à comprendre ça qui a passé en dedans, votre et votre beflan, votre nègre politique, monsieur, dame, ça qui a passé paysan, et pour yon même pour yon arriver mobiliser yon. En nous tendant, on nous font parler avec Stanley. Je suis partagé un texte avec que je juge qui est extrêmement important. Et je souhaite l'île pour nous. Nous allons parler ensemble. Parce que là, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé remplacement de madame Lalim dans la tête BINU. Est-ce que c'est facile pour ça pour madame Lalim de quitter la tête BINU pour l'aller? Alors que il y a un paquet d'accusations graves qui sont sous le président assassiné pendant la tête BINU. Gang fédéré pendant la tête BINU. Donc, il faut que nous connaissions ce que le facile comme ça pour madame Nanik lever, malgré tout ça qui passe en dedans pays, hein, malgré tout ça insécurité qui a fait là, côté de la cité à gauche à droite, rien pas j'en dis, rien pas j'en fait, eh bien, est-ce que le facile pour madame Lalim qui était payant, seul pas répondre de l'accusation qui soudoule. Bonjour Stanley, comment vous êtes? Bienvenue dans l'émission. Moi, salut Yannick, ensemble avec toute l'équipe là, nous salut auditeur. Stanley, et bon, texte c'est au que tu partages avec moi. Et madame Lalim, li sou route pour quitter tête BINU, yo pral remplacer li par yon équatorienne et Maria Isabel Salvador. Et comment comprendre décision ça que Nations Unies prend là pour remplacer madame Lalim? Madame Lalim est arrivée dans le pays d'Haïti suite à passage résolution 2476. Une mission était par Madame Lalim à BINU, c'est renforcer capacité sécurité pays d'Haïti. Une bagaille nous remarqué après prestation président constitutionnel PIA, après deux élections fines faites dans le PIA, et madame Lalim a BINU créer conditions pour faciliter violence valet terrain dans le pays d'Haïti. Pendant la période madame Lalim là, au lieu coopération internationale et résolution 2476 là, qui a contribué à renforcer capacité la police, contribué à renforcer capacité l'armée, contribuer à craser gang yo avec environnement et insécurité, nous avons fait le contraire qui fait. Sous leadership madame Lalim, c'est le ça 400 Marozo créé. Sous leadership madame Lalim, c'est le ça oligarchio avec politicien SDPO, non seulement créé 400 Marozo, créé fantôme 509. C'est madame Lalim qui écrit dans le rapport Nations Unies le fait que groupe gang G9 yo regroupé son bombardier avec elle parce qu'il réduit le crime en dedans pays à de 12%. C'est sous madame Lalim complot monté pour touiller 58e président constitutionnel pays à Jovenel Moïse. C'est sous madame Lalim yo touiller leader politique Éric Jean-Baptiste. C'est madame Lalim encore, le fin assassiné président, qui permet que le premier ministre qui est impliqué dans tout le président entre dans la primature sans pas gagner un arrêté qui est signé par le président de la République. Donc, je dis à nous qu'on est mandat BINU dans le 6 juillet, pour qu'il s'agit de marcher précis ça pour remplacer madame Lalim. Donc, c'est la première question qu'on pose. Je dis à lui clair que l'on livre que n'est qui était responsable espionnage et intelligence aux Nations Unies en Haïti a écrit les zombies fausses.
ou vin découvrir capacité intelligence espionnage Nations Unies gagné dans pays d'Haïti pour qu'on ait tout ça qui a passé dans cas d'assassinat président qui fait le 7 juillet 2021 madame Lalim pas capable au courant que on va tuer président donc dans cas ça c'est deux scénarios qu'on gagne c'est soit madame Lalim impliqué directement dans tous les présidents, ou bien madame Lalim tout au courant, qui était criminel en fait. Et le même comportement madame Lalim pendant 19 mois qu'a passé à, qu'a couronné le premier ministre, que la justice joigne qui impliquait dans tous les présidents, couronné le premier ministre à GFM, c'est madame Lalim qui derrière, vie à quoi, à CT, qui pas camper son rien, qui pas légal et qui pas constitutionnel, qui a essayé pas le figure, alors que moun ki la dan yo pa représente 2% de l'électorat haïtien, c'est madame Lalim qui a cautionné que assassin qui touye président, nèg ki nan trafic zam, nèg ki nan gang, nèg kap invite gang nan palais national, c'est yo kap mete moun nan cour de cassation. Pour moi même, li pas normal que madame Lalim a déplacé pour ni la justice pays d'Haïti, ni FBI pas convoqué à arrêter madame Lalim. Mais est-ce que pas normal? Est-ce que pas une action légale que des instances ou bien regroupement monde te camé décider mettre tête sur ensemble pour yo saisir la justice contre madame Lalim? Est-ce que le possible ou pas? Même les madame Lalim sont diplomates. Nous ouais ça fait aux États-Unis. Un diplomate étranger aux États-Unis qui fait accident machine qui touille monde, il a retiré l'immunité pour mettre à la disposition de la justice. Dans le cas ça, son président constitutionnel, que madame Nan, d'une façon ou d'une autre, impliqué dans tous les présidents, nous devons lever l'immunité madame Nan pour que FBI avec la justice pays d'Haïti mette main sur lui. Mais, Kounia, ça qui peut être 40 dossiers anti-jeux difficiles, parce que. Avant de arriver, l'autre question. Est-ce que madame Lalim a confié l'eau avec Oligak Pétionville qui est impliqué dans tous les présidents? Faut nous gagner réponse à la question ça. Est-ce que madame Lalim impliqué avec nous qui dans le département d'État, faut pas oublier son diplomate américain qu'il y a? Est-ce qu'elle implique avec nous dans le département d'État qui touille le président? Bon, je fais un rappel pour l'auditeur. Auditeur, elle regarde sous tweet contre Twitter John Joel Joseph. Regardez tweet qui fait 6 février 2021. John Joel Joseph dit, il recevra l'autre département d'État pour aller prendre le président. Altendez conversation téléphonique Marie-Louise Gauthier avec commissaire la police qui n'a pas le national Dimitri Hera en vente tentative pour tout le président le 7 février 2021. Marie-Louise Gauthier dans conversation avec Dimitri Hera lui dit recevoir l'ordre pour tout le président du département d'État ou l'albran président. Algade témoignage Entriago 22 Mia Bergman qui est via arrêté. Yo tout te dit que yo joine feu vert département d'État. Est-ce que madame Lalim t'est en contact avec mon département d'État ça yo qui impliqué dans tout les présidents? Auditeur, a regardé tout. Ça relé audition dans Congrès américain. De voir sur YouTube ou mettez Congressional Hearing on Haiti et 12 mars 2021 4 mois avant tout les présidents. Ancien ambassadeur américain Pamela White devant le Congrès américain, 12 mars 2021, 4 mois avant tous les présidents, il dit dans le Congrès, devant la Commission Affaires étrangères, faut que mettez le président sous côté, faut que élimine et il y a un non-premier ministre qui pourra remplacer le président, mais pas capable de là. Est-ce que madame Lalim est en contact avec Pamela White dans le cadre de plan ça qui est là? Donc, je voulais vous dire, ça, ici, nous-mêmes, nous sommes nous, dans le pays d'Haïti. Mais comme nous sommes pays d'Haïti, quand voilà la mort, tout seul ouvert sur Jean-Jacques Dessalines, Henri Christophe, c'est qu'ils ont intelligence politique pour nous comprendre ce qui a passé. Nous n'avons aucun blanc raciste qui a vint tout le président à la caille, nous. Et puis pour blanc raciste l'a sauvé pour ne pas mettre l'en bas côte. Je veux dire, si c'est ton président américain ou détruit, il va pas passer comme ça. Non, donc nous ne pouvons pas quitter le passé comme ça. Bien, parce que nous avons baillé la souveraineté nationale. Regardez l'américain. Bon petit ballon chinois là, qui vient passer sous les États-Unis, il y a un tiré, il mette la tête.
Et puis nous-mêmes, nous avons quitté Blanc Sauvé sous nous, qui tuer le président nous. Eh bien, c'est là. Si nous ne pas respecter nous, si nous ne pas faire respecter tête nous. C'est là l'intérêt question. Non, je ne veux dire là, tout ça aurait été comme de graves accusations. Qui ça, qui enquête qui arrive mener pour nous joindre des preuves concrètes qui étaient arrivées liées, madame la ligne directement noir sur blanc, avec dossier assassinat président Jovenel Moïse. Parce que c'est ça qui est important. C'est pas sous base. Yannick, Yannick, c'est pas. Si nous ne pouvons pas parler dans l'émission, dans l'émission Foucault, sur Radio Caraïbe, dans Boucanté, ou pas, c'est pendant deux semaines, nous avons parlé, et puis nous avons dit qui j'en fais pour arrêter Arcangel Bretel qui est impliqué dans le président. Ou pas, une semaine après, nous avons parlé ça, nous avons mis en bas. C'est ou même, c'est mettre quoi que vous voulez, quoi. C'est ou même comme peuple qui a assassiné le président. Ouais, ici aux États-Unis, c'est pas le gouvernement américain qui découvre le ballon chinois. Et citoyen au clever campé, nous dit ça ballon chinois ça fait, le gouvernement oblige à agir. Nous même c'est même bagaille là. C'est président nous qui nous touye. C'est nous qui mettre quoi? C'est nous prouver quoi? Blanc au fin touye président et puis blanc vient jouer hypocrite avec nous. Fuck nous marre blanc qui touye président, même j'ai avec oligarque et politicien assassin qui touye président, fuck nous marre. Si ce n'est pas mettre quoi que tu as fait depuis 19 mois là, nous t'as privé là, dans l'arrestation à Arcangel Bretel. Non, mon cher, c'est en liberté toujours, même j'ai 21 mia, même j'ai avec un triago. Et pas mettre quoi que tu as fait quoi qui fait que les gens arrêtent. Pour les gens qui ont arrêté les gens, nous ne pouvons pas avoir aucune enquête ni pour faire black bâclé dans le FBI et la justice américaine. Pour les gens, il faut dire à qui est-ce qu'un triago Bretel est en contact avec le département d'État. Ni en Haïti. Mais nous disons que nous feu vert. Nous disons que nous feu vert département d'État. Qui est dans le département d'État? Et nous venons voir que c'est Deep State là. Qui est le Deep State là aux États-Unis? Audité. Son série de monde qui ont une grosse position dans l'État, mais on va prendre l'ordre de même président des États-Unis, dans le secrétaire d'État. C'est une série de gros blancs qui dehors l'État, qui ont intérêt économique en Haïti. C'est là qu'on prend l'ordre. Pourquoi ça me dit ça? Eh bien, il n'y a pas comme ça, il sort en l'air, non? Et vous avez vraiment encouragé comme jeune capitaine de la l'école, oui. Le secrétaire d'État américain, avec le président américain, te dit clairement, eux-mêmes, les nègres ont fait gagote, ils ont menti dans le pays d'Haïti, comme quoi, madame, Jovenel, fin février 2021. Le secrétaire d'État américain, qui te voyait, mission à observer l'élection, ils ont connaît que le président a prêté seulement le 7 février 2017 pour mandat, 5 ans qu'a fini le 7 février 2022. Et c'est pour ça, les nègres ont fait gagote en Haïti. Le secrétaire d'État américain te dit, eux-mêmes, les États-Unis, il a supporté le président Jovenel Moïse jusqu'à fin mandat le 7 février 2022. Avec dit, moun kal touye président Jovenel Moïse, yo fèl sans président Biden pas au courant, sans secrétaire d'État Blinken pas au courant. Qui gros requin blanc ça, kap bay l'autre dans le département d'État, sans Biden, sans secrétaire d'État Blinken pas au courant. On joue politique là, c'est mettre qu'on kap veye kor, nous pas prenons coup dans mes nègres. Et en Haïti là, le nap gade jeune nègre qui aime justice. Nègyo, c'est comme si chaque coup pour dossier Jovenel là, pour dossier président avancé, que le t'es dans le gouvernement Ariel là, que le t'es nèg qui implique directement dans le système justice, yo tout yo a cherché une façon pour yo boycotter le. Parce que yo connaît. C'est pas boycotter. Ça veut dire que c'est une période depuis sous président Jovenel Moïse t'a promis parce que pour mon capitaine de radio et cap suivre nous là, c'est pas président dans le pays d'Haïti qui choisit juge cap dans le système judiciaire. C'est CSPJ avec Sénat qui voue non, c'est eux-mêmes qui ont autorité pour choisir juge. Les offres choisir juge, ils voient le président, le président prend arrêté ou non, mais. Donc, les autres voient le président, le président a checké. Le président joint que il y a 50 juges corrompus que vous voyez par exemple, juge Jean-Wilner Morin. Je ne sais pas même des papiers philo. C'est pour ça qu'il a été bloqué une nomination, monsieur. Le président a débloqué une nomination. Donc, c'est pas même des papiers philo, et puis le juge. Donc, moi-même, là où regardez ça qui a passé là, qui est-ce qui nomme même 6 membres CSPJ en janvier 2022? C'est pas Ariel Henry qui est impliqué dans tous les présidents, c'est pas Bertre Dorsey qui est dans le trafic d'âmes avocats du Bidjibop, c'est pas Josué Pierre-Louis qui a invité gang dans le palais. Et donc, ça a nommé 6 membres dans CSPJ. C'est au nom de doyen tribunal première instance hier soir, l'obtention de monsieur dans boucanter la parole ou monsieur dans menti. Comment fait que vous voyez un nèg dans tribunal pour escroquerie ou même comme doyen ou dit comme ça que nèg là faut voir dossier
devant le juge d'instruction et vous faites la gueule. Depuis notre dossier, président Jovenel Moïse, Chavan Etienne montre qu'il est corrompu. C'est Ariel Henry qui nomme en janvier 2022. Un mois après, c'est même Ariel Henry qui fait métro, juge d'instruction sous dossier Jovenel Moïse. Là, au découvre, obligé de courir des protestes tout. Et puis, c'est même Ariel Henry ça, qui vient métro, droit à un tribunal premier instant. Donc, je veux dire, on va être très clair en 19 mois, assassin, trafiquant d'amis, kidnapper, mais qui compte faire déjà sous famille, oligarque qui a pillé l'État et qui, oligarque qui assassin, c'est eux qui mettent 6 mouns dans CSPJ, c'est eux qui nomment un juge dans le cours de cassation, c'est eux qui mettent droit à un tribunal première instance. Alors, je dis pas nommément pas là avec ou là, pas d'égalité des citoyens devant la loi. Ou un système judiciaire qui nomme oligarque à politiciens assassins pays d'Haïti. Donc, je vous dis la question qu'on doit poser le tête comme peuple, qui vont prendre nettoyer le système ça qui corrompu et qui a protégé gang avec assassins. Et qui gens vous doit faire là pour nettoyer le système là? C'est ça qui est important. Qui gens vous doit faire là? Bon, et première étape là, c'est que, moi-même, que vous rétablir la sécurité, que vous nettoyer le système judiciaire, première étape là, il faut que nous voyons Ariel Henry remplacer pour un premier ministre de consensus qui pas lié dans la gang, qui pas lié à la mafia judiciaire, qui pas fait blanc et qui pas fait oligarque de son ville. C'est là pour commencer. Et Salvador Kodelia, c'est 83%, 85% dans le système judiciaire qui n'est pas révoqué, qui fait que Salvador réussit à marier trois anciens présidents dans la gang qui n'ont gang, et puis il y a un qui sauve, il marie tout oligarque qui n'ont gang, tout politicien de gauche et de droite qui n'ont gang. Et Salvador touye 4500 et gang et mette 41,000 en prison. Donc nous-mêmes, j'ai fort pour nous faire, c'est une question de leadership politique. Salvador joue une leadership politique qui fait travail là. Par contre, qui joue nous pas joue ni, faut qu'on joue un premier ministre qui a fait même travail qu'a fait Salvador. Premier ministre Stanley, pour combien de temps d'après là? Bon, pour nous-mêmes, rétablir la sécurité, retourner pays à l'ordre constitutionnel, son bail au 412 mois sans problème. Dès qu'il a fait simulation. Mais écoute, là on parle de une nouvelle forme de transition. Nous pas oublier, c'est contre transition ça que le président Jovenel Moïse a bataille lui-même. Question de transition. Oui, mais devant la réalité, Ariel là, a 19 mois, la vache, la vie retourne l'autre 12 mois encore, et après 12 mois, nous connaissons pas dans l'exal passé. Non, ça nous donc ça veut dire que si le pays a retourné à l'ordre constitutionnel, il faut un bon calendrier pour retourner à l'ordre constitutionnel. Retourner à l'ordre constitutionnel, faut bon premier ministre qui a classé gagnant chaque mois, et organiser référendum à toute élection, non délai pas dépasser 12 mois pour retourner le pays à l'ordre constitutionnel. On va gagner ou pas voir, non, c'est l'option qui est devant là. Et Kounia, par rapport avec les nouvelles propositions, c'est qui moun qui a pouvoir, c'est Kounia qui est moun qui a pouvoir pour mettre le premier ministre ça. Et pour ça, Amdou, son premier ministre de consensus, qu'elle doit y être. Il y a 649 là, très clair, tout autant que pas gagner élection, pas qu'à mettre un nouveau président. Mais c'est seulement qu'on va mettre un nouveau président. C'est élection par le peuple, ou bien élection au deuxième degré au Parlement. Le Parlement n'existe pas. Donc, seul gens pour mettre un président, c'est à travers des élections, pas qu'à mettre un président provisoire. Donc, faut jouer un premier ministre. Après, bon, oui, faut jouer un premier ministre de consensus. Kounia, qui profil premier ministre de consensus là? On green bagay besoin que le premier ministre a qu'on fait. Il a crasé gang yo. Allez, il pas lié à gang yo, il pas lié à oligarque, il pas paix blanc. Ça, c'est un green bagay qui nous besoin. Un premier ministre qui a crasé gang yo. Qui est-ce qui aime baronner? Et nous-mêmes qui pour faire consensus entre nous jouons un consensus minimal là pour choisir le premier ministre. Eh bien, c'est ça, Mbraldou. Consensus en Haïti, si vous regardez, chaque jour, il y a parlé de consensus, chaque jour, il y a parlé de dialogue, chaque jour, il y a parlé de concertation. Il n'y a pas de gens qui arrivent à entendre vraiment. Mais il y a soif de pouvoir. Mais je n'ai pas besoin de m'entendre. Regardez, je n'ai pas besoin de m'entendre. Regardez, force vie. Parce que la politique, c'est là du possible. De vous pessimiser, si vous avez un doute, ou pas besoin d'arriver à atterrir en rien. Soit poser cette question, est-ce que c'est possible? Qui j'aime bien le faire? Non, la politique, c'est l'art du possible. Faut focus sur Sauve-Léa. Sauve-Léa, son premier ministre. Mais maintenant, même pas de problème. C'est la dynamique normale de la politique. Mais qui est pendant et Sauve-Lé, quand il a passé là, nous avons joué dans la société à identifier le monde qui a fait travail là. Il y a une fois qu'il a identifié le monde qui a fait travail là. Son question de mobiliser diaspora et mobiliser pays. Il y a pour Ariel Henry la trappe que mon a monté
et nous connaissons tout nèg qui est impliqué dans gang, qui est impliqué dans tout le président, moun sa va faire partie du gouvernement. Pas grand est compliqué là, non. C'est une question de focus et puis volonté politique pour commencer le travail pour le faire. Mais si vous êtes au gain, vous devez questionner. André Michel va camper sur un là. Avant les gens qui font vieux bagages, après tout, ils ont tout battu, ils ont quelqu'un de pouvoir. Avant même les gens qui ont occupé les présidents, c'est vous faites un temps 11 septembre, à quoi 11 septembre pour vous faire un pouvoir, vous faire un coup d'État. Donc vous-même qui c'est majorité, majorité silencieuse qui a souci, vous faites mieux que Mounsa. Non, m'da quoi avoir, parce que là, quand nous arrivons, la décision, c'est dans mes peuples liés, et nous avons gardé ces gens qui ont souffert, mais les gens n'ont pas vraiment impliqué. Moun yo gen pil moun ki dou yo wè sa passé. Même pas d'accord avec théorie ça. Moun yo impliqué. Et moun yo tellement ou sa capacité ou ver radio yo tant de commentaires moun yo. Mais ou konnen nan lutte politique pays d'Haïti, yon sa les saisir le moment politique. On va parler avec ou là. Frustration déjà dans la ria, colère déjà dans la ria, révolte la gen tan ke moun yo. Qu'est-ce qui le moment qui c'est le moment. J'avais dit que je ne vais pas faire moi même avant de ne pas connaître. Je vais faire un accident camion, mais je vais aller péter le tout, aller le pas camper. Je vais faire un autre accident, un marché bouger, ou bien un policier, ou bien un gang caldition, une condition, et puis une révolte qui fait des la pas camper. Mais comme si condition pour marcher pour Ariel, pour marcher pour André Michel, Nenel Kassi, et Sorel Jacinthe, et Valier Beauplein, Kato, tout le monde qui a fait baille qui nous connaît, conditions déjà réunies, sont question de qui l'a fait. C'est pas un timing dans mon temps. Moi-même, c'est pour ça. Et pour ça, je dois aller à l'avance. Comme nous connaissons que il y a aller dans la direction ça, quand même, avant bagaille ça a fait, si tout le monde a une idée générale, mais qui, il y a nos deux mondes qui font bon premier ministre pour caser gang, il est bon que nous connaissons depuis avant bagaille au fait. Mais influence, qui ça nous faire avec influence internationale? Là, il y a toujours là, oui. Il y a pas de yo, non? Regardez, il y a même bon bagaille dans 19 mois, nous sommes blancs impliqués dans tous les résidents. Nous sommes blancs dans la gang. Nous sommes blancs dans le kidnapping. Blancs dans la corruption qui a fait. Blancs dans le volet dans le gaz. Blancs dans le volet dans la richesse. En 19 mois, nous sommes blancs pour écraser la gang. Nous refusons de la police à la maison pour écraser la gang. Même si on est blanc, pareil en Ukraine. Nous est blanc, mais une politique raciste contre nous noirs. Nous est blanc, servi à blanc noir qui est avec lui dans le comme pour essayer de faire malgré le pays d'Haïti. 19 fois ça permet de nous être clair. C'est ça la beauté de l'héritage politique et diplomatique. L'ouverture et des alignés. Ça permet de nous comprendre blanc vite. Et tout doit être coquin qu'elle a fait. Et c'est parce que des alignés. Avec Christophe, avec Cavalamor, avec tout son ouverture, qui était ça comme héritage pour nous. Si nous n'avons pas compris blanc, et bien, plus fort que blanc, nous avons dit que nous avons dit que nous écrit Haïti. Parce que nous avons non seulement nous avons appris ça blanc, nous avons dit que nous avons plus fort que blanc là-dedans, ni dans la politique, ni dans la question militaire. Et pour ça, nous avons dit que nous Stanley, hier, nous avons appris à Gagne Sanders, si je ne me trompe pas, qui lui-même était dans le groupe de travail au EAF sur Haïti. Qui lui-même, alors, qui t'a fait dit non? Ou qu'on bagaille, ou qu'on bagaille, bien passé, moi. Regardez, Ronald Sanders sont des magogues que lié. C'est un siècle fait, il y a une deuxième élection en 2016, pour qu'on gaspille 100 millions de dollars américains, nous n'avons même pas besoin de faire élection. Pendant la violence pays, l'on t'a fait. C'est Ronald Sanders qui va courir et pays là. Nous-mêmes, c'est dans Montana, ça n'a fait la malasse qui l'a brisé. Je dis, Marie qui est ce qui dit, c'est champion de la cause haïtienne, c'est pas mon côté de jouer ça. Allez, on va arriver maintenant en Haïti pour dire que Sanders est champion de la cause haïtienne. Ouais, diplomate caraïbien, corrompu et démagogue ça, nous connaissons bien, habitués avec eux. Parce que les gars font démagogue à pays d'Haïti depuis 92, mec ça, nous connaissons bien. Ouais, non, c'est maintenant là. Qui est-ce qui vient? C'est pas pour les mines Jamaïcain, c'est pas mon Barbade avec mon Bahamas. Bahamas qui a été haïtien, ça coûte cher toute la journée. Bahamas qui a été plein problème. Et puis ça qui est là, Haïti en tant que population représente moitié dans le pays caribéen. Et puis l'homme qui vit, les têtes au pays, là, on a plus gros passé
à son paquet de pays carré comme ça. Exactement. C'est l'exemple qui a été utilisé pour nous. Gardez-vous, ce qui reste avec le premier ministre Canada, vous savez des anciens colonies, même genre Canada, du Royaume-Uni, vous comprenez qu'il y a un complot sous le pays d'Haïti. Regrette ça pour vous. Mais il y a un profiter de la bagaille tout. Et là, ça m'a connu, m'a regardé que nèg yo c'est bluffeur, oui, vrai. M'a regardé l'assassinat président Jovenel Moïse. C'est deux ans, mais mon tweet n'est pas fait. Et puis, 30 juin, pas de massacre fait, yo assassiné Neti, yo assassiné et Diego Chol. Li fait tweet, 30 juin, 1er juillet, li fait tweet. On va plus loin avec vous. Li condamne président Jovenel Moïse. On va plus loin avec vous. Nous voyons l'être le 4 août 2021. OK? Le 4 août, presque un mois après, tout le président de CARICOM. L'aide officielle de l'État haïtien, demande CARICOM supporter pour nous, dans le Conseil de sécurité, la mise en place d'un tribunal spécial pour enquêter sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, même Jean Otefeli, pour le Liban après l'assassinat de Rafik Hariri. CARICOM, pas, j'aimerais répondre non. Et bien, ça, vous comprenez, qu'il y a une si magra avec nous aujourd'hui. Non, ça, c'est vrai. Le président qui besoin d'une volée gaz combat des pays d'Haïti. Conseil des blancs globalistes corrompus qui cachaient des Bahamas, cachaient des Jamaïques, cachaient des Trinidad et Tobago avec Barbade pour nous comprendre qu'ils avaient volé ça combattre le pays d'Haïti. Comme si nous égarions. Nous avons lancé avec le pays à vraiment ça. Parce que vous regardez là, le pays à la Caraïbe, il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes là qu'il n'y a pas qu'à résoudre. Insécurité, gang, il n'y a pas qu'à résoudre. Et puis, des Jamaïque, c'est. Jamaïque à Salvador, c'est que tu as une gang qui est sauvage dans l'autre temps. Et puis Jamaïque, Salvador, Brasil, pas Jamaïque, tu la pire. Ah, t'as chargé. Non, n'a pas regardé, je ne dis pas là, ça a passé sous plein international là avec le dossier Haïti. Tout le monde est comme si tout le monde a lavé mes mains dans le dossier Haïti. Il a fini de participer. Ah bon, qu'il a lavé mes mains. Il a fait laver mes mains avec sa pièce. Il a fini de dégénériser mes mains, il a lavé mes mains. Il a fait laver mes mains, Yannick n'a pas existé. Mais ils sont mécanismes qui a cherché pour venir voler ça qu'en bas pays d'Haïti. En bas pays, a, nous avons cuivre, nous avons bauxite, nous avons l'or, nous avons iridium, nous avons gaz naturel, nous avons terre. Terre là, ça avec eux, ils fait chip pour téléphone avec machine électrique. Mais ça nous avons battu à vaut à peu près 400 milliards de dollars américains. Alors, dit, ça nous avons battu à faire nous une plus belle que du Spike. Qui ça que Blanc global, Blanc globaliste corrompu a besoin de voler sa combattre. Donc c'est pour ça le besoin d'occupation militaire. Si nous avons voulu aider nous, et vraiment depuis 19 mois, et 7 mars, pas le 20 mois, qui ça nous avons voulu faire? A pas colonel là, mais nous avons dit depuis au Bali, ta comme équipement la crase de gang. Bon, même lui, même nous avons besoin de plus, non? Nous avons besoin de deux hélicoptères. Nous avons besoin de deux hélicoptères A6. Nous avons besoin de deux hélicoptères Black Hawk. Nous avons besoin d'un drone. Mais nous avons besoin de 20 à 30 millions RPGs, on sait de 6 armes spéciales. Alors, dit ça, nous avons besoin de pas dépasser 30-35 millions de dollars américains. Même vieux Canada, il vaut 350 blindés en Ukraine, il vaut 350 millions de dollars américains d'armes en Ukraine, il vaut 500 millions de dollars américains d'aide économique et sociale. Et puis, Canada, ça en 19 mois, il va avoir nous 35 millions d'équipements militaires pour nous craser gagner. Non, chien, n'y a pas nous dans bêtises même. Mais t'as dit, Stanley, argument ça, nous toujours avancé, comme quoi, il y a besoin de piller, aux choses, etc. Mais qui ça justifie tout tout la lito ça, tantôt Nations Unies, tantôt EA, tantôt CELAC, tantôt CARICOM? Pas y'a une dans le pays de l'épreuve. Parce que dans le monde là, regardez, c'est parce qu'on est dans le monde là, les n'y a vina avec lui, dans le Conseil de sécurité, la situation géopolitique avec la Chine et la Russie, l'information pas eux. C'est que ça a voulu monter à pas monter. Les ouvins dans l'OEA avec lui, pas monter. Les ouvins dans CARICOM, il y a pissé avec lui, jusqu'à présent, pas marcher. Plan ça, n'est-ce qu'il y a eu depuis 2010. Auditeur, ou même capitaine de là, auditeur, ou même capitaine de là, son plan là depuis 2010. Alga de Boué, marqué sur Google, OPED News, OPED News, Stanley Lika. Gardez, l'arrivée sur OPED News, Stanley Lika. Gardez un article qui m'a écrit en mars 2010. Et by sénateur qui était président de la commission Affaires étrangères Sénat, M. René Christophe Dodd. Dans l'émission, ça a été dit, monsieur, elle était fin écrit. Christophe Dodd, là, pendant le président Sénat et la commission Affaires étrangères Sénat, ils ont écrit un article sous Miami Herald le 10 mars 2010. L'article, ça, qui était mis
faut mettre Haïti sous occupation, et puis t'as un ancien gouverneur, président des États-Unis qui t'a venu gouverner le pays d'Haïti. Il répond, monsieur, il dit non, et souveraineté nous pas négociable. Alors, regardez l'article là. Son plan là, depuis 2010, qui est-ce qui conseille, je vous dis, à la Maison Blanche, qui travaille sur le dossier Haïti, et pas même Christophe Dodd, qui devait mettre nous sous occupation, et qui devait un ancien président venir gouverner d'Haïti depuis 2010. Et ça, qui va imbécile, qui va prendre. Et pour ça, ou même comme jeune, qui est en relation internationale, qui est en sciences politiques, sous pas faire dossier en matière de relations internationales, sous pas qu'on acteur les positions que vous prenez au fil des années, ou pas faire défendre l'intérêt pays d'Haïti. Et là, ça a des actes qui sont dit. Christopher Dodd a écrit une pour mettre Haïti sous occupation, mais qui est comme ancien président des États-Unis qui doit gouverner, et puis il a fait du massimé, il vient courir avec moi. Nous devons répondre tous les deux. Al sous Google, marqué Open News Sunday Lucas. T'as des réponses, nous débat Jim Assimeis, t'as des réponses, nous débat Christopher Dodd. Et même plan qui a été appliqué là, je vais vous mettre nous sous tutelle pour venir voler, ça qu'en bat terre. Et qui ça m'a dit là, il va vous stanler, non, qu'il m'a dit. Et pour génération qui a venu. Non, faut nous informer génération, yo, génération future, parce que plan regain, ou dit depuis 2010, plan là, regardez 2023, 13 ans après, vous voulez exécuter. Donc, ça veut dire, vous n'avez pas campé, pas de campé pour vous. Donc, vous avez toujours cherché. Après, vous dites à l'aide, vous ne voulez pas de l'armée. Parce que vous connaissez depuis nous avons l'armée, nous avons contrôlé le territoire national. Vous n'avez pas de voler, pas de combattre. Dans un pays. Bon, qui ça? Définitivement. Petit Christophe, petit Cabral, la mort et l'ouverture que nous y est. Nous-mêmes. Comme nous, ça nous recevoir, et sommes nous, ça nous recevoir comme héritage des pères de l'indépendance. Il faut même comment ils sont pas jamais oublier ça. C'est ça Christophe Dessalines, qui a la mort, tout ça, nous, qui fait. Ça, blanc, t'es connaissant, je t'ai appris, et on vient plus fort que blanc là-dedans. C'est pour ça, au niveau diplomatique, tout ça, nous, qui t'a roulé les Français, les Espagnols et les Anglais, au niveau politique, au niveau militaire, c'est pour ça, nous, caler l'armée française. Parce que nous, apprenons ça, t'es connaissant, nous, vient plus fort passer, dans Goumet. Et puis, carré correctement dans la bataille de Vertières. Vous n'avez pas dit, il y a une vieille idéologie, anarcho-populiste en dedans, il y a qu'à faire comprendre qu'on est inférieur à blanc ou pas inférieur à blanc. Ou plus bon que blanc, dans sa blanc qu'on fait. C'est une question d'apprendre pour apprendre. Entendez, Mounio. Mounio pas aimé apprendre, dans ce temps-là. Mounio pas. Il y a ici, là, question éducation, question chita dans des émissions éducatives. Il n'y a pas fait long. C'est Boréguet, c'est Alain Iso. Abolotio a toujours été Abolotio. Mais petit peuple là qui veut apprendre, pas bon rêve qu'on gagne qui pas qu'à tourner réalité. Exactement. C'est pour étudier au travail, quel que soit rêve qu'on gagne à tourner réalité. C'est travail à l'école, mettre connaissance en tête. Vous savez, débat, je vous dis, je dis, et bien, moun qui apprennent, mais non, c'est sur les réseaux, on m'a cherché, sur Internet là. Ouais, je vous dis, par rapport à longtemps, on paquet d'outils sur Internet là pour apprendre. Sur YouTube, c'est pas musique seulement qui gagne, non. YouTube, bon paquet de bagages d'apprentissage au niveau économique, social, politique et culturel, oui. Pour qu'on apprenne. Éduquer et tout. C'est important. Bon, Stanley, et Premier ministre Ariel là, Premier ministre de facto ça là, qui décide, yo pour arrêter là, 27 ou 28, côté que yo nommé 8 autres juges. Cour de cassation opérationnelle, yo effectif. Et rete nous pral tende pral gen CEP yo pral travail de conseil avec HCT pour yo choisi membre conseil électoral yo. Est-ce que jounen jodi an la nous ka considérer Ariel Henry comme moun qui pral organiser élection pour payan pour gen deux bagages. En aller. Et oligarque à politicien assassin qui travaille à blanc qui fait partie de l'élite globaliste blanc raciste. Vous avez un feu vert pour s'arrêter le contrôle institutionnel. C'est ça que fait, vous prenez le contrôle primatia, c'est ça que fait, il y a domestiqué la justice, c'est ça que fait, vous pouvez mettre un KEP domestique, objectif là, font coup d'état électoral avec raison nèg qui était dans l'espoir unité vérité. Vous font un nouveau parti politique qui relaie Haïti nouvelé. C'est pour ça que dans tout discours que Ariel a fait, autant de la parler de Haïti nouvelle. Dimitri Bob là-dedans, Thierry Tadjé là-dedans, le même mouvement. Moun ta pral écrit constitution qui en faveur oligarque et constitution anti-peuple là pour yon les Jacques Limat. Yon remettre les constitutions depuis 8 mois, la travail sous la madame Maniga. Ou font constitution en faveur oligarque ou constitution anti-peuple. Donc, objectif KEP ou Valmetea, c'est pour ça yon signe un document 21
Des femmes d'après ont touillé Éric Jean-Baptiste parce qu'ils n'ont pas qu'à mettre un KEP selon la Constitution. Ils n'ont pas qu'à mettre un KEP qui est son KEP que ses amis André Michel, ses amis Josué Pierre-Louis, ses amis Ariel Henry, qui a fait coup d'État électoral. Coup d'État électoral, ce n'est pas possible. Donc nous allons vers la confrontation. Bon, pas faire coup d'État électoral là, malgré contrôle institutionnel. De même gens, toute décision que coup de cassation corrompu qui n'est mis là, tout bagaille ça, nous allons écraser au devant et révoquer tout le monde qui nous met dans coup de cassation. L'aime nous en tant que pays. Oui, pays. Parce que des nègres qui touillent le président, des nègres qui n'ont kidnapping, des nègres qui n'ont trafic d'âme, des nègres qui n'ont cas de Jacques, c'est pas qu'ils ont même qu'à mettre des juges dans la Cour suprême de notre pays. Non, jamais. Avec du Québec, pas que j'aime bien l'égalité des citoyens devant la loi. Elle dit tout crime économique qui fait yo, tout crime politique qui fait yo, nous ne pouvons pas juger Mounsaël parce qu'il y a un contrôle coup de cassation. Bon, et André Michel, nous avons des appelés qui sont potentiels candidats à la présidence. Mais il n'est pas premier fois le candidat à la présidence. Mais il connaît. 0%. Rien, parce que l'EM s'est allé comme candidat à la présidence en 2016. Il n'a pas fait deux votes dans la section communale. Il est retourné dans l'élection comme candidat au Sénat avec RDNP en 2016-2017 dans le département de l'Ouest. Même Top Alderman, t'es calé, monsieur, à 1240. Donc, par rapport à l'époque, ça, 2016, André Michel finit journée aujourd'hui, parce qu'il a passé 4 ans qu'il a boulé marché, il a boulé commissariat, il est dans le pays là, et regardez vidéo, peuple a parlé d'André Michel, son ex-sœur, je viens dans l'arrière. C'est pour ça qu'il y a marché à policiers toute la journée. Et depuis le peuple a joué de mon côté, il a fini même j'ai la gang que le peuple a marré. Il a très mal passé. Oui, c'est pour la chaîne. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'élection là? Oh non, où qu'on est, nègre militant, oui? Nègre supporter, je regarde une vidéo, nègre qui campé, l'a incité mon pour remettre André Michel, oui? Carrément, nègre la parole. Non, allez, que regardez, et Géo. C'est 750 000 gouttes de balle pour faire ça le faire à cette vidéo. Où qu'on est? Tête charge. N'est-ce squad là? Qui n'a même pas qu'on est là? C'est son quinzaine qui a eu des petites vidéos. Des petites vidéos, regarde les profils militants SDPA, de Google, ou bien regarde des petites vidéos, n'est-ce squad démocratique là, professeur mathématique là. C'est 750 000 gouttes de balle. Et puis, bon, si chèque, Rosemila Bali, dans quelle assistance sociale, oui? N'est-ce pas sérieux, n'est-ce pas sans rendre en pile? Au pays, il y a pas de ça et puis il y a défendre nèg k'ap pran pays encore. Mais gère réduction des comptes devant, fais-moi confiance. Peuple là. Ouais, peuple là, on pour quand, c'est qui l'va le faire pour quand là, qui vient pour mien. Ouais. Boston, le mot de la fin pour nous finir, je dis on va pas bon en pays. On son coup que lié, qu'on me toujours dit, c'est bon 100 mètres que lié, son marathon que lié. Donc des criminels, des assassins, pas qu'à mettre KEP, ils pas qu'à contrôler le pouvoir judiciaire, ils pas qu'à contrôler le pouvoir exécutif, ils pas qu'à contrôler le coup de cassation, ils pas qu'à contrôler KEP. Donc bon côté que peuple a lui-même, lui connaît, c'est lui qui met le pays, c'est lui qui décide ça qu'a fait dans tout le domaine ça. C'est pas lui-même qui a décidé. Bon côté confrontation, on va le faire, qui l'est, on va connaître. Et dénonciation, la continue à faire tout, tout oligarque corrompu. Même pas les faire dénonciation, c'est éducation politique, peuple là. Éducation politique, peuple là, doit continuer pour le peuple à comprendre. Mais qui j'en ai que tout le président, nous prenons contrôle pouvoir exécutif là. Faut le peuple à comprendre. Mais qui j'en ai que prenons contrôle pouvoir judiciaire. Mais comment y a pillé l'État. Mais qui relation y a un blanc globaliste corrompu. Bien que pays a gagné pour saboter l'avenir génération future en Haïti. Donc, travail, ça a bon travail de dénonciation, son travail d'éducation politique qui doit continuer, qu'on a fait depuis plus de 19 mois. Merci Stanley Lucas pour participation à l'émission. Hein? Et nous souhaitons passer une très bonne journée. N'a pas parlé. Et bonjour, ben nous, et nous présentons condoléances nous à la famille Maniga. La famille la tortue qui perd du premier ministre. Et puis nous avons une petite prière spéciale tout pour le président Carter qui est entré dans l'hospice avec la ville dernier jour. On est Carter devant un rôle important dans la démocratie pays d'Haïti. Et si ce n'est pas le président Carter, et en 1994, il a fait bombarder Cité Soleil. Si Carter n'a pas de temps pour descendre, il n'y a pas de l'armée américaine n'a pas bombardé Cité Soleil en septembre 1994. Donc, son nègre que nous doué en pile. Bonjour, béni, qu'est-ce là? Merci en pile, bye bye. Voilà, c'était avec nous Stanley Lucas, un habitué de la maison. Avec lui, nous t'a fait parler sous différents points qui ont dominé l'actualité.
et remplacement madame la lime dans tête binuel li extrêmement important pour nous te wè ça avec Stanley Lucas tout avec contexte de partager avec moi parce que madame la lime tellement gen grave accusation sous dol assassinat président Jovenel Moïse non le cité là-dedans et fédération G9 famille non le cité là-dedans pas paquet l'autre dossier non le cité là-dedans imaginons un diplomate yo voyé en Haïti pour venir garder comment activité yo a réglé dedans pays pour venir garder comment institution yo a travaillé qui ta doit rester dans place dans limite li et pourtant c'est lui qui a prend décision dedans pays c'est lui qui a metté premier ministre c'est avec lui a choisi qui juge a metté etc. Est-ce que nous avons sécurité? Est-ce que nous avons stabilité? Est-ce que nous avons justice dans le pays? C'est qui rôle madame la ligne? C'est qui mission madame la ligne? C'est qui agenda, qui calendrier de gagner exactement dans le pays? Est-ce que c'est arrivé mettre le pays dans la situation là? Est-ce que c'est arrivé contribuer à craser la société à comme ça? Ne gangsteriser les gens dans le pays, bandits dans le pays? Qui vraie mission de gagner? Qui vraie mission de gagner? Eh bien, secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres a annoncé et remplacement madame la Lime cap gagner pour faire très bientôt là 26 mars cap gagner pour venir là madame la Lime praler c'est Maria Isabel Salvador cap gagner pour remplacer lui donc nous tendez nous ouais nous garder en dedans la république en rien pas changer et entre-temps Ariel lui-même il continue dans même ligne dans même démarche la préparer pour le mettre CEP le camper il a préparé réforme constitutionnelle yo il a préparé référendum yo il a préparé bagaille qui dans intérêt yo mais jamais dans intérêt pays jamais dans intérêt société entre-temps nous elle gang a terroriser population nèg vite l'homme yo monter là dans zone Fojap yo mette du feu dans commissariat policier blessé policier courir est-ce qu'on a fait pays finalement est-ce qu'on a fait pays ou bien a craser pays pays nous gen là est-ce que c'est pays nous gen là nèg yo fin craser pays hein, parce que yo te tellement soif pouvoir yo te tellement besoin tout les Jovenel pour yo prendre place yo fait liaison avec gang yo fédéré et yo fédéré gang dedans pays yo mette camp pour fantôme 609 mais résultat jodi a la c'est Victor l'homme qui tout puissant qui besoin contrôler tout petit coin dans capital pays tout petit coin dans Port-au-Prince li besoin gagner toute zone stratégique yo nan mel en tout cas créole parler créole comprendre nous tous ces haïtiens est-ce que n'a accepté pour gang détruire la vie nous ou bien est-ce que n'a pas une réponse à autorité ça qui allié à gang pour détruire la vie nous pour empêcher nous vivre dedans pays ballon en pied nous responsabilité nous nan men nous n'a continuer travail éducation politique là nan l'idée pour qu'on se haïtien se citoyen haïtien ou gen droit pour vivre dans pays ou et l'état gen obligation pour yo ba ou service rendez-vous en caster dans l'autre vidéo demain non même le pour continuer parler pays pour continuer faire débat sur situation difficile pays d'Haïti merci tout le monde à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, que chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Le pays, nous pourrons faire des bases, c'est toujours même Yannick, même.